Ok, on a buté les autres. On a récupéré le résumatos. Jeu de jambes de Dan. Ah d'accord, c'est ça. Alors c'était ça le fameux Kung Fu. Hein. Armure de Leda. On a récupéré des super bonnes armes quand même. Il y a aussi Euphorie, mais je crois que c'est uniquement quand on bute le boss final qu'on l'a. Bon bah je crois qu'on va aller se faire poutrer la tronche. On a buté tous les boss, tous les dragons qu'il y avait dans le jeu, tout quoi. On est que tous les deux. Pour affronter le putain de monstre qu'il y a là-bas. Là il y a Radan au bout. Ah il y a un site de grâce, c'est bon. Bon, et là on va se faire défoncer la gueule. Bon, eh ben, ça va être chaud. C'est la toute première fois. Hein. Crains le pire. Hein. Faudra un bouclier pour le tanker de toute façon, je pense. Hein. Bah Gaius était pas mal dans le genre gros bourrin. Hein. J'ai l'impression que c'est un peu le même délire, hein, lui. Hein. Sauf qu'ils volent partout, quoi. Alors, est-ce que je... Là, ouais, il va foncer dessus direct, hein. Je sais pas combien de dégâts il fait, déjà, quoi. J'ai pas envie d'invoquer ma larme, ça va être la mort, sinon. Merde, merde, là. Oh, oh, oh. Sens bien passé dans ton bide, là, le coup de lame à l'horizontale. La phase 2, il paraît que c'est un truc de pupute, hein. J'ai entendu tellement de choses au sujet de ce boss. Il faudra un bouclier, hein. On peut pas y aller comme ça. Ouais, l'alarme, soit tu l'invoques au début, soit tu l'invoques pas. Tu m'étonnes. Non, non, ça passera pas sans bouclier, je pense. Hein. On va pas se mentir. Hein. Allez, ah putain, hé, oh la vache. La porte d'entrée du boss, quoi, nom de Dieu. Dès qu'on invoque, c'est la mort directe, en fait, quoi. C'est abusé. Regarde, regarde le 10ème de seconde. Hein. Hop là, je l'invoque, regarde, hop, terminé. Le truc est pensé en fait pour vraiment, dès que tu fais teinter la cloche, il t'encule. Hein. Désolé d'être lui, il n'y a pas d'autre mot quoi. J'invoque la larme imitatrice, je crève. Hein. C'est sûr et certain quoi. Ah, ça passe. Wow, faut même pas essayer de rouler. Hein. Je vais se la placer à un moment donné. On dirait un espèce d'énorme gaulois en fait lui. Hein. Je me buff même pas, je vais juste étudier ses attaques de toute façon. Hein. Bon déjà il faut un bouclier. Pour un bouclier c'est sûr. Pour un bouclier c'est impossible. Hein. Ah il est affreux. Là on peut l'encaisser tu vois. Oh la vache comment il brise la garde l'enfoiré. Hein. Je me suis beaucoup battu au bouclier dans le jeu donc. Hein. On peut le parer ou pas? Je suis en train de me poser la question. Oui, on peut parer, putain. Putain, on peut lui faire la parade dorée. Bon, par contre, pour le renchaîner, c'est impossible, quoi. Viens fumer. Oh, putain, non. Ça, ça a pas marché, par contre, quoi. Vache. J'ai vu le laps de temps, quoi. C'est chaud. J'ai un bouclier de merde. Il est pas assez tanké. Je mets pas mes buffs. Hein. J'étudie le buff. Hein. De toute façon, je sais que ça va pas passer. Hein. Oh la vache. Oh le bâtard. Va falloir balle d'endurance quand même. Bon y'a du mieux. Y'a du mieux mais ça va être dur. Hein. Putain. On est mal barré. Hein. De nouveau. Après on en parlait, les boss apprennent en fait ta façon de jouer quand même. C'est pour ça que la première fois tu manques toujours de les buter les 2-3 premiers tries et après en fait t'es 50 fois t'arrives plus à les niquer. Le petit pépère tu sais qui va affronter le pire boss du monde quand même. Ouais, à y aller au cac, c'est chaud hein. Alors que je regarde beaucoup de bastons d'autres mecs pour arriver à... Là il me faut au moins 2 jours d'apprentissage à crever en boucle dessus. Bah ça y est on y est au moins quoi. Bon on va se faire éclater encore 6-7 fois en boucle et puis après on va... Ah la vache il cratère vers lui enfin. Waouh. 1, 2, 3. Il brise la garde, on lève. Oh la vache il fait un coup vers le bas. Il fait un coup qui part du vol. Ah c'est chaud. Ah j'ai pas d'arme. Ah bah oui. Ah forcément. Tu peux le passer avec une roulade la première attaque. 3, 4, 5. Y'en a pas une autre. 1, 2, 3.
1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ah. Il est infernal. Oh non, ouais. Il est infernal. Là, la potion, c'est mort, on peut l'oublier là. En fait, il faut rythmer le bouclier pour le lever et le descendre. Je suis niveau 9 avec les cendres, je dois être niveau 15 ou 16 avec les esquilles, parce qu'ils ont tout. Ils ont... J'ai vu, ils ont planqué les esquilles dans des pots à la con qu'il faut chercher dans tout le jeu. Oh la flemme. Mais je serais obligé de le faire un moment, quoi, mais. Je vais pas le faire aujourd'hui. Waouh, ce boss de fou. Waouh. Oh. Ouais, non, mon bouclier est pas à la hauteur là. Il est pas assez tanky. Hein. Ah ouais, il est costaud le bâtard. Wow, au niveau 15 et tu prends aussi cher, bah. Par contre, je suis pas level 230 hein. Je suis level 196 hein. De toute façon, les combats de boss dans Elden Ring, c'est une danse. Hein. Les météores, je crois que tu peux skier juste en sautant en courant, plus sauter. D'accord, okay. Je suppose que tu l'as fini, je vais tonner aussi. Non, puis moi, là, mon arme, c'est vraiment de la merde. Quoi. Là, je vais commencer à essayer de trouver des fenêtres là, hein, pour le taper, mais c'est compliqué. Hein. Première attaque, tu peux lui placer 3 coups dans la gueule déjà. Si t'as un truc cheaté, comme on peut voir sur le net, ça peut peut-être passer. Je comprends pas comment les mecs font des dégâts aussi monstrueux sur le net. Quoi. Ah non, je suis un ami, bien sûr. Ah bah oui, et puis je suis en surcharge. Oh bon, alors. Oh, bon, on oublie. Hein. Non, je pense que c'est faisable. Ça a demandé 10 000 try, quoi. Beaucoup de gens utilisent l'âme inversée pour Radan vu qu'elle tape assez vite. Hein. Ouais. Je vais le tanker. Hein. Oh non, je suis beaucoup trop lourd. Hein. Oh là là. Je suis en surcharge juste avec la même blasphématoire. Hein. J'ai complètement oublié. Ouais, non, bon, on va pas prolonger, je pense. On va pas prolonger le stream. Je vais m'entraîner, en fait. Hein. Et surtout, je vais tester les armures pour que je trouve du nouveau matos. Hein. Je pense vraiment à qu'est-ce que je vais changer comme statistique aussi. Ah, mais il y a une marque d'invocation. Il y en a deux. Voilà. Ah bah, ça change des choses, déjà. Potion. Ah, roulade. Roulade. Ah ouais? Ils rendent le boss plus tranquille? Ah merde! Ils ont pensé à tous les salauds. Et l'invocation du coup quand tu invoques... Ah merde, ils rendent le boss plus tranquille. Oh les salauds, merde. Non! Bah oui, forcément j'ai pas mon... Oh Bob! Quel gros lourdeau. Si tu vas droit vers lui... Oh, oh. Calme-toi mon pépère. Oh putain, c'est incroyable. Pas les invocations avec la cloche, mais les invocations avec les marques dorées qu'on peut avoir. Comme des lances supplémentaires augmentent les PV du boss. Ok. D'accord, ok. J'ai vu qu'il y a des mecs qui trouvaient en fait des potions, des buffs à se foutre avant de franchir la porte et qui butaient le machin en 2-3 coups. Ils avaient calculé toutes les stats et tout. Et là tu vois, je suis level 197, c'est pas ouf quoi. C'est pas frappant dingue. Par contre au niveau talisman, ça va, j'ai quand même... Bah j'ai chopé quand même pas mal de trucs. Il y en a encore plein qui me manquent du genre principal. J'ai chopé tous les talismans du DLC je crois normalement. Donc ils sont supposés être meilleurs que le jeu de base. Niveau armes, j'ai quand même looté beaucoup de trucs aussi. Hein. Les épées de Saint-Trina qui font sommeil. Du loot rare là, les lames de magma. Je me suis vraiment fait chier en fait à trouver du matos de fou. Hein. Du matos à tester hein, quand même, hein, mine de rien. J'ai chopé pas mal d'armes de boss aussi déjà là. Beaucoup de magie aussi. Alors, vraiment j'ai essayé de saigner le jeu avant de faire un NG+, justement quoi. Parce que j'avais tué le boss final du jeu principal il y a 2 ans, j'avais pas refait de NG+. J'avais pas rétabli le cercle d'Elden du coup. J'avais repris une sauvegarde d'avant. Et quand j'ai entamé le DLC, j'étais en NG0 en fait quoi. J'en ai chié quand même. Hein. Bon, en vrai les mobs ont scale sur ton level, donc c'est pas problématique techniquement. Mais faut voir là, à part de tes stats, ouais, t'as beaucoup d'esprit par exemple que tu pourrais mettre en force. En dex ou en vigueur. Bah ça dépend en fait de l'arme que tu vas utiliser, que tu vas vraiment choisir. Et c'est ça le problème encore une fois, c'est si tu joues katana, va falloir péter en dextérité. Si tu joues lame blasphématoire, va falloir péter en foi. Si tu fous 70 en foi avec la lame blasphématoire, elle devient ultra violente quoi.
Encore une fois, c'est une question de choix d'armes surtout quoi. J'aime bien les lames de magma. J'aime beaucoup. Je vais aller buter des mobs dans le coin là. Et je vais mettre mon talisman de loot là. Scarabée machin. On sait jamais. Des fois qu'on looterait une arme de porc.